Son rôle est de former des profils hybrides, des diplômés capables de marier la gestion des systèmes d'information d'une entreprise avec sa stratégie, le tout dans un souci de performance et dans un secteur en perpétuelle évolution. La transformation numérique, le web, le cloud, toutes ces nouvelles technologies font qu'en permanence, on se doit d'évoluer. Pour y parvenir, l'EMSI, l'école de management des systèmes d'information de Grenoble École de Management, doit adapter le contenu de ses formations aux évolutions technologiques. En témoigne cette conférence organisée par l'école lors des jeudis de l'entreprise digitale. Au cœur du sujet, une innovation majeure, la blockchain, un protocole informatique révolutionnaire qui promet de bouleverser l'organisation des transactions dans notre vie quotidienne. Le sujet blockchain, c'est un sujet qui n'est pas forcément encore dans le radar des entreprises, mais c'est une tendance qui doit être prise en compte maintenant, puisque nos étudiants qui vont sortir dans 2 ans doivent déjà être au courant de ces technologies. Donc nous sommes en permanence en train de faire évoluer nos programmes, rechercher les tendances. Alors ça commence par des veilles, trouver des signaux faibles, puis lorsque le sujet devient suffisamment important, on le traite par exemple sous le format d'une GED pour identifier les intervenants, identifier l'écosystème et vérifier la pertinence de l'inclure progressivement dans nos cursus. Pour rester dans le trio de tête des formations en management des systèmes d'information, l'EMSI doit donc coller aux attentes du marché d'aujourd'hui, mais aussi anticiper celles de demain. La thématique blockchain s'inscrit au cœur de cette ambition car l'innovation est disruptive et aura très bientôt un réel impact sur la société.